Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va comparer le Samsung A50 au A51. Donc le A50 est sorti en mars 2019, donc il a un écran de 6,4 inches avec une technologie Super AMOLED Full HD+. Donc il a 403 pixels per inch, et puis il y a un ratio entre écran et carcasse du téléphone, je dirais, de 84,9%. Alors le A51 lui par contre est sorti quelques mois plus tard, donc en décembre 2019. Donc là on a un écran un peu plus grand, donc de 6,5 pouces, avec une même technologie Super AMOLED Full HD+. Donc là, on a 2 pixels per inch en plus du A50, donc vraiment, on ne pourra pas faire la différence. Et puis un écran qui est un peu plus grand en termes de ratio, donc 87,4%. Donc c'est 2% et demi par rapport au A50. Et un écran Gorilla Glass 3, donc pour protéger l'écran. Alors là, comme vous pouvez constater, donc nous avons A51 à notre gauche et le A50 à notre droite. Donc le A51, on peut constater qu'il y a un écran qui est un peu plus étiré, il y a un peu moins de carcasse du téléphone. Donc voilà, en fait, vraiment là, c'est la vraie définition du Infinity Display. Alors que là, sur le 1.50, vous voyez bien qu'en bas, vous avez un peu de tiré de téléphone, en fait. L'écran n'est pas aussi étiré que sur le A51. Alors ici aussi, pour les caméras, donc on a bien le A51, vous voyez bien qu'il n'y a pas de notch. Et sur le A50, vous voyez qu'il y a une sorte de notch, donc c'est cette couleur noire qui est en arrière-plan de la caméra. Donc personnellement, moi je préfère le A51. Alors concernant le processeur, donc là pour le A50, nous avons un Exynos 2610, donc en octa-core, alors 8 cœurs, 4 de 2,3 et 4 de 1,7. Concernant la RAM, donc il est disponible en 4 et 6 Go de RAM. Alors là pour le A51, par contre, c'est réellement la même puissance, sauf que c'est le Exynos 9611, donc c'est le processeur qui est sorti quelques mois plus tard. Alors là, on va voir, en fait, on va faire un speed test pour voir si réellement il y a une différence ou si c'est la même rapidité, en fait. Alors en termes de batterie, donc là on a une batterie de 4000 mAh avec une technologie à rechargement rapide de 15 watts. Donc là c'est plutôt 32 heures de discussion du téléphone et puis 87 heures de musique. Alors là pour le A51 c'est exactement la même batterie, donc là on parle de 32 heures en discussion téléphonique et puis 87 heures si vous mettez de la musique. Donc c'est exactement la même batterie.
termes de caméra, alors là on a une caméra de 25 mégapixels, on a trois caméras pour le A50. Une wide de 25 mégapixels, une ultra wide 8 mégapixels, et puis une autre 5 mégapixels. Et pour ce qui est de la vidéo, donc là on peut enregistrer des vidéos à 1080p et 30 images par seconde. Et puis on a une selfie caméra de 25 mégapixels. Alors contrairement à 50, là on a des caméras qui sont beaucoup plus performantes. Donc on a une caméra à 48, en fait 3 caméras, excusez-moi, à 48 mégapixels au lieu de 25. Donc c'est pratiquement le double. Ensuite nous avons celle ultra wide de 12 mégapixels. Et puis l'autre de 5, donc là c'est identique. Alors en ce qui concerne les vidéos, là un enregistrement en ultra HD, donc 4K, en 30 mégapixels, en 30 images par seconde, excusez-moi, et puis en 1080p à 30, 60, voire 120 images par seconde, donc là c'est bon pour tout ce qui est en slow motion. Et vous avez une caméra, la selfie caméra, elle est de 32 mégapixels au lieu de 25, donc c'est un peu plus net, je dirais, que le A50. Donc en termes de prix, alors le A50 est de 270€ et le A51 est de 379€. Donc là, comme conclusion, je dirais, est-ce que c'est assez pour passer du A50 au A51? Là, je ne sais pas, mais en tout cas, comme conclusion, je dirais que voilà, en termes de performance, c'est plus ou moins la même chose. Donc il y a peut-être des fois une seconde de différence pour le chargement des applications. Concernant la caméra, oui, la caméra du A51 est un peu mieux que celle du A50, mais bon, je dirais que il y a à peu près 100€ en plus, donc je ne pense pas vraiment que passer du A50 au A51 soit une bonne chose. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc partagez, abonnez-vous, et j'espère vous revoir à très bientôt. Ciao.